Salut les techniciens, c'est Amslo, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Moi écoutez les gars, ça va tranquillement aujourd'hui. On va se retrouver pour un nouvel épisode de Skill en Force, c'est l'épisode numéro 9. Petite précision par rapport à l'épisode précédent, vous savez je vous avais laissé un petit vote et puis je vous avais aussi demandé de me répondre à une question dans les commentaires par rapport donc au défi. Donc alors ça a été un petit peu clair. Vous voulez bien évidemment des défis, mais pas tout le temps. Donc du coup, c'est ce qu'on va faire à partir de maintenant. Donc une fois sur deux, on va avoir des défis. Donc aujourd'hui, il n'y aura pas de défis, étant donné que dans l'épisode précédent, je vous avais pas demandé de me mettre à des défis. Du coup, là, j'ai pas vraiment de défis à vous proposer, si ce n'est le défi de s'amuser, tout simplement. Mais j'ai pas de défis sous la main, donc aujourd'hui, pas de défis. Mais dans l'épisode numéro 10, il y aura un défi. Dans l'épisode numéro 11, il y aura pas de défi. Dans l'épisode numéro 12, il y aura un défi, etc., etc. Donc voilà, ça sera vraiment une fois sur deux. Comme ça, je pense que ça fera plaisir à tout le monde. Et puis je trouve ça assez sympathique, même pour moi, je pense que pour moi aussi ça va être aussi fun, parce que moi aussi j'adore les défis, attention, hein, moi aussi je kiffe les défis même. En tout cas, là maintenant, pour l'épisode numéro 10, il y aura un défi plutôt, donc n'hésitez pas à mettre vos défis dans les commentaires les potes, sur cette vidéo, sur l'épisode 9, bombardez avec vos défis dans les commentaires tout simplement, ça peut être n'importe quoi hein, comme d'habitude. On a déjà marqué donc un coup du foulard. On n'a pas marqué encore de long shot, je crois. On n'a pas encore marqué un coup du scorpion, même si le coup du scorpion, faut l'avouer, c'est un petit peu plus compliqué que la plupart des gestes techniques. On n'a pas marqué aussi quoi je sais pas. On a déjà marqué avec le gardien. Peut-être marqué avec un défenseur, mais bon, c'est un petit peu plus simple que le gardien. Parce que le gardien, je pense que voilà, c'est de la merde. Franchement, faut se le dire, c'est de la merde. Mais bon, en tout cas, n'oubliez pas de me proposer vos défis dans les commentaires. Ça peut être n'importe quoi, hein. Donc, par contre, me dites pas des défis assez compliqués, du style que je dois acheter plein de joueurs et tout. J'avais vu la dernière fois faire une team de goal, donc voilà, une équipe de gardiens, et essayer de marquer avec, essayer de gagner plutôt avec cette équipe. J'aime pas trop, pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je suis quelqu'un qui est vraiment très technique, donc faire un épisode avec que des gardiens, ça va être certes fun, mais après, bon, pour les jets techniques... faire que des fins de frappe, c'est un petit peu chiant, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après j'ai pas dit que je ne vais pas faire donc un défi comme celui-là. Mais on sait jamais. Donc voilà, mais en tout cas, n'hésitez pas à me proposer vos défis. Hein. Après moi, je pourrais voir un petit peu ce que vous me proposez, puis je vous choisirai en fonction de votre défi. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous savez quoi? Vous avez carte blanche les potes, dites-moi n'importe quoi. J'espère tout simplement qu'on va tout simplement s'amuser. Donc voilà. Bref. Trêve de blabla les amis, on va tout de suite se lancer pour le premier match à la recherche de notre premier adversaire. Je pense qu'aujourd'hui, moi je le sens bien, on va marquer un but les potes, moi je le sens bien, on va marquer un but. On va essayer de se concentrer un peu plus que dans l'épisode précédent, parce que dans l'épisode précédent j'ai un petit peu... si vous voulez, avant de commencer cet épisode, il était quoi? Il était 10h du matin, j'avais bu un petit peu de café, etc. J'avais un petit peu de caféine dans le sang, donc j'étais un petit peu trop excité. Donc voilà, là on va essayer de se concentrer, voilà, on va essayer d'être en mode technicien, tranquillement. Voilà, on va y aller tout doucement. On va faire nos gestes techniques. Bon, ferme ta bouche, Sam, et lance le match, s'il te plaît. Lance le match. Allez, go, on a trouvé un adversaire, les amis. On va jouer comme ceci, en noir. Donc, j'ai changé mes maillots. J'ai repris le maillot du Brésil, le maillot domicile du Brésil. Et le maillot noir qu'on avait l'habitude de jouer avec. Une très bonne Bundesliga. Dernière chance, je pense que c'est un Français. Il a du Boateng, ah il a pas Neuer au goal, donc pourquoi pas, ok pourquoi pas, il a quand même de très gros joueurs, hein. Il a une forme de Bruyne, il a Shaqiri, Lewandowski, Marco Reus, Gundogan, il a aussi Schweinsteiger, une très très bonne équipe. J'ai vu aussi qu'il y avait des mises à jour, là une mise à jour hier, donc mardi, et par rapport au jeu, donc voilà, espérons que ça va changer. J'ai vu que, je sais pas si vous avez remarqué, mais Benatia avait une nouvelle tête sur la carte, donc ils ont mis aussi à jour les têtes des joueurs sur les cartes, donc c'est plutôt sympathique. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Espérons qu'on va tout simplement proposer du beau jeu. Je vois bien qu'il propose aussi lui aussi du beau jeu. C'est nickel les amis, c'est nickel. Par contre, si tu fais que des scoop turn, ok d'accord, bon c'est parti. Allez, à nous de jouer maintenant, à nous de jouer. Voilà, nous aussi on fait des scoop turn. Allez c'est parti les amis, c'est parti, on est chaud patate. Allez go. Je vous l'ai dit les potes, je vous l'ai dit. Bien sûr, on commence très très bien avec un magnifique skill run de notre
boss, Chirraoui, le magnifique fake dragback pour éliminer le dernier défenseur, le ball roll et la feinte, n'importe quoi, Sam, tu racontes que de la merde. La feinte de frappe, j'allais dire, mais non, l'enroulé, tout simplement, il n'y a aucune feinte de frappe. Magnifique, les potes, on commence bien, on est chaud, les amis, je vous l'ai dit, on est chaud, on se concentre très très bien, on s'est bien concentré, on a bien fait nos gestes techniques, on a bien éliminé notre adversaire. Et c'est parti, les potes, on continue, les amis, j'espère vous kiffez parce que ça va pas être le dernier but, moi je vous le dis, ça va pas être le dernier but, c'est le premier et le premier but d'une longue série, tout simplement. Donc c'est parti les potes, on va se remettre en mode technicien et on va se reconcentrer, allez go 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 les amis, on est chaud patate, allez go, ok d'accord. Ouais, on est chaud les potes, je vous l'ai dit, on est chaud, on se fait aussi humilier, c'est nickel, je pensais pas qu'il allait faire le double contact, bien joué à lui. J'avais oublié que Lewandowski avait 4 étoiles de geste technique, j'ai complètement manqué ma défense avec Chiellini. Bah, c'est nickel les potes, c'est nickel, ça fait plaisir de se manger des buts comme ça. Ça change des buts avec de la vitesse. Et moi je kiffe, franchement. Allez, Depay là, Depay s'il te plaît. On est des techniciens ou pas? Est-ce qu'on a marqué un coup du foulard les potes? Bien sûr on a marqué un coup du foulard, mais oui les potes! Putain on est chaud les amis, moi je vous l'ai dit! On répond avec une virgule, on continue, on dribble le dernier défenseur, regardez, le ball roll et le coup du foulard les amis, bien sûr! Là on le voit pas très bien mais vous inquiétez pas, on va le voir très très bien, regardez! Hop! Oh là là! On est chaud les potes! Ah j'espère que vous kiffez les amis, oh putain je suis content là, on est en mode technicien, ça rigole plus les amis! Voilà, EA qui nous montre bien le ralenti, Chirraoui mec! T'es un boss, franchement t'es un boss, ça fait plaisir de jouer avec toi et j'adore cette équipe quoi, j'adore cette équipe, je joue beaucoup mieux avec cette équipe. Et le coup du foulard qui passe du premier coup les amis, du premier coup, ça fait même pas 10 minutes qu'on joue, on a déjà marqué deux putains de beaux buts les amis. Et on continue, ah si, 13 minutes, je dis un petit peu n'importe quoi là mais je suis très excité là, je suis très content surtout. Parce que ça fait plaisir de proposer du beau jeu et de tomber contre un adversaire qui lui aussi propose du beau jeu, c'est vraiment super franchement, c'est super. Attention quand même de pas se manger un but non plus juste après, parce qu'on va pas faire les mêmes erreurs que dans le but précédent. Comment est-ce que c'était bien joué, franchement? Franchement là, j'ai kiffé, franchement. J'ai vraiment kiffé, j'ai adoré la talonnade qu'il a faite là, ici là. Il m'a complètement dégommé, faut se le dire. Hein. J'ai taclé, je pensais qu'il allait tirer directement, mais franchement, punaise. Mais qu'est-ce que ça fait plaisir de jouer contre un adversaire comme ça qui marque des beaux buts. C'est excellent, quoi, c'est excellent. Les potes, j'arrive pas à le croire, vous avez vu ce qu'on a mis ou pas? Eh, c'est le meilleur épisode, eh, je vous promets, c'est le meilleur épisode, je kiffe. On a marqué un coup du... on a failli marquer un coup du foulard, regardez là. Paf! Oh là là! Oh là 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 là! L'humiliation, les amis, c'est l'humiliation, les potes. Mais on est chaud aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Regardez-moi ça! Il regarde même pas où il tire, il fait une magnifique talonnade. Oh là là, c'est génial, les amis, c'est génial. J'espère vous kiffez les amis, j'espère vous kiffez. Putain, c'est de la balle. C'est de la balle quoi, c'est de la balle, c'est une tuerie. C'est une tuerie. Franchement, quand ce jeu, tout nous réussit, c'est vraiment un très bon jeu. Il n'y a rien à dire. Triplé de Chirraoui et les 3 buts, c'est de la balle quoi. Ah là là. C'est une tuerie les potes. N'hésitez pas à bombarder les gemmes, ça me ferait super plaisir. Là, mettez un maximum de gemmes. Chaud, on atteint les 200 gemmes les potes aujourd'hui. Ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à bombarder les gemmes, ça me ferait super plaisir les potes. En plus il dit qu'on a fait que 2 tirs, n'importe quoi. Ah là là. Ah, franchement là je suis très content. Écoutez les gars, on va tout de suite repartir pour la deuxième mi-temps. C'est parti, hein. C'est parti. Bon les potes, il s'est strictement rien passé dans cette deuxième mi-temps. Le score est resté au même. Bon l'adversaire qui joue un petit peu plus en défense. On n'a pas eu d'occasion. Honnêtement.
c'était devenu très serré dans cette deuxième mi-temps, mais je pense qu'on a tout fait en une mi-temps. En fait, on a fait 5 épisodes, quoi. Je suis sûr qu'on a réalisé plus de défis qu'on... On va voir les buts, les potes. On va voir les buts parce que les buts, ils sont vraiment excellents. Et j'espère qu'il y a rien. Ouais, c'est bon. Tac. Ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, on a gagné les matchs au final. Voilà, il y a eu qu'un tir des deux côtés. Donc, alors, moment fort. On va tout de suite voir le premier but de Chihraoui. Donc, comme d'habitude, on dribble un petit peu. Tac, je vous laisse un petit peu. Voilà, le reverse élastico pour éliminer le dernier défenseur. Là, le ball roll flick ou le Neymar Hocus Pocus, c'est la même chose. La fin de corps. Le passement de jambe ici, là. Tac. Mince, attendez, je vais mettre le ralenti, tac. Si je mets pas le ralenti aussi, voilà. Le ralenti, boum, donc le passement de jambe. Ensuite, je fais le fake drag back. Oh là là, magnifiquement bien joué. Ensuite, on continue avec le ball roll. Et puis, la frappe en finesse qui trompe donc Leno. On va tout de suite voir le deuxième but, parce que les buts, ils sont tous de Chihraoui. Chihraoui, donc le deuxième but. Non, c'est pas celui-là. Si j'en loupe un, c'est celui-ci. Donc alors là, magnifique passe. Pour Chihraoui qui dribble avec la virgule. Et puis ensuite, bah on accélère. Hein. On accélère. Je vois qu'il sort son gardien. Du coup, je fais un ball roll. Pour me remettre pour exécuter donc le coup du foulard. Alors regardez, ball roll. Et regardez ça, les potes. Et oui, les amis, bien sûr. Et après, le ballon, il va au fond des filets. Ah, je suis content, les amis. Je suis content. Hein, mais on n'a pas encore marqué que ça. Hein. On a marqué donc un coup du foulard. Hein. Donc voilà, et ensuite, ici on dribble, on a vraiment dribblé pas mal de joueurs. Le scoop turn, le heel flick, attendez je vais changer de caméra pour qu'on voie bien. Le scoop turn, le heel flick, tac, ou le double contact, c'est la même chose. Attendez, juste je place bien, tac, ensuite on fait le ball roll. Le coup du foulard qui était cadré, hein. L'arrêt de Leno. Ensuite, je reprends la balle, et là, je sais pas pourquoi j'ai décidé de me mettre contre le dos, et là... Attendez, je vais me remettre sur la caméra de Chihraoui. Comme ça, on va vraiment voir le geste. Voilà, tac. Je suis face au dos et pouf. Eh les potes, je suis super content. Franchement, je suis super content. C'est un... On a mis 3 buts excellents, quoi. Franchement, c'est super. C'est super. C'est génial, les amis. C'est génial, j'espère que vous kiffez. Moi, franchement, je kiffe. Je suis super content, franchement je suis super content, c'est pas bombarder les gemmes, hein. 200 gemmes ça me ferait super plaisir là, mettez un gros coup de crampon au bouton gemme, et puis nous les amis on va se dire donc à tout de suite pour le deuxième match tout simplement, je vais enregistrer tout ça parce que je pense que ça va tout simplement aller dans une compilation, donc nous les potes on va se retrouver donc tout de suite après pour le deuxième match, à tout de suite les amis. Allez les gars, on a trouvé un nouvel adversaire, on va jouer en jaune je pense que ça, enfin en jaune. Avec le maillot du Brésil, étant donné que j'ai pris ma brésilienne. Donc alors, Nope France, encore un français les potes, peut-être encore un français, pourquoi pas. Donc il a une bonne équipe de France là, avec Ben Arfa, Lacazette et Griezmann devant. Il a aussi Johan Gourcuff en milieu offensif central, il a 5 étoiles de mauvais pied si je me trompe pas. Une bonne défense aussi avec Perrin et Distin. Et il a bien évidemment Ruffy au cage. Donc c'est parti, espérons que ça se passe aussi mieux que dans le premier match, je pense pas. Concrètement, je pense pas. Je pense que c'est le plus beau match que j'ai jamais joué dans tous les FIFA. Je pense que 3 buts comme ça, c'est pas souvent qu'on en met. En plus, on a joué contre une très grosse équipe de Bundesliga. Espérons qu'on marque aussi de jolis buts hein, dans ce match. Donc c'est parti les potes. On va tout de suite commencer avec Ronaldinho. Et c'est parti quoi. On veut des coups du foulard les amis, on veut des coups du foulard, une première mi-temps très très ennuyante. Il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, mon adversaire qui se défend très très bien, il propose lui aussi du beau jeu, donc c'est génial. On est tombé contre deux bons adversaires, ça fait toujours plaisir de tomber contre des adversaires comme ça, je vais y arriver. Oh il est passé, le centre, un coup du foulard, la retournée, d'accord ok, tu mets la tête Douglas Costa. Ah là là, ça va pas le faire, hein. Ça va pas le faire si tu mets des têtes comme ça. Ouais, une première mi-temps assez difficile à prendre en main. Mon adversaire qui se débrouille très très bien. Il propose lui aussi du beau jeu, il m'a dribblé quelques fois. Donc c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. On va essayer de continuer dans cette deuxième période. Je sais pas si on va essayer de marquer d'autres buts. On a laissé le coup du foulard, c'est passé au-dessus. On va voir un petit peu ce qu'on peut faire. Je vais peut-être essayer de tenter les long shots. C'est vrai qu'on en a pas marqué dans cette série encore. On va essayer les potes, on va essayer.
Je vous promets rien, mais c'est parti en tout cas pour la deuxième mi-temps et j'espère vraiment que vous kiffez les potes. Je le répète assez souvent, mais moi franchement là je suis très très content de cet épisode qui se déroule vraiment très très bien. Donc c'est parti les potes pour la deuxième mi-temps. Ah dommage les potes, Felipe Melo, je pense pas qu'il puisse faire des retournées, mais bon c'est pas grave. On a tenté la volée avec un coup du foulard, c'était plutôt pas mal, mais j'y arrive pas là, j'y arrive pas, il défend très très bien, et il sait bien aussi utiliser les gestes techniques, donc c'est un adversaire vraiment très très bien, très très bon plutôt. Ouais bon les gars c'est mort, hein. C'est mort, on a essayé de marquer un but avec Diego Alves pour finir, mais bon, de toute façon je pense que j'étais trop, comment dire, je me suis trop amusé sur le premier match et puis ensuite là on a fait un petit peu n'importe quoi, mon adversaire en fin de match qui a vraiment voulu essayer de gagner, avec un magnifique but de, comment dire, de la casette, c'était plutôt pas mal, donc voilà, en tout cas de toute façon ce match il était plus difficile que l'autre, dans le sens où mon adversaire connaissait un petit peu les gestes techniques. Mais bon, c'était sympa, franchement c'était sympa, ça fait plaisir de jouer contre des adversaires comme ça, même si là on a perdu, hein. je suis pas, comment dire, je rage pas, hein. Je rage pas, hein. Je pense que vous l'avez deviné, on a bien joué, je trouve qu'on a bien joué, nos adversaires aussi, et c'est un épisode complet des deux côtés, moi j'ai kiffé cet épisode, clairement j'ai kiffé. Et ça fait plaisir là, j'en reviens toujours pas de notre premier match où on a marqué 3 magnifiques buts. C'est un petit peu un match que j'oublierai pas, je pense que j'oublierai pas ce match, ouais, j'oublierai pas ce match. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, ça me ferait super plaisir. 200 j'aime, hein, ça ferait super plaisir les amis, mettez un gros coup de crampon sur la barre de j'aime, dégommez-la, franchement ça serait génial les amis, franchement un épisode vraiment très complet avec des adversaires qui sont vraiment très très bons. Et ce serait bien qu'on tombe contre ce genre d'adversaire un peu plus souvent. N'oubliez pas aussi les défis les potes, n'oubliez pas les défis, de mettre vos défis dans la description, n'importe quoi, ça c'est moi qui m'occupe de la description, n'oubliez pas de mettre vos défis dans les commentaires plutôt, donc voilà, comme d'habitude ça peut être n'importe quoi, hein. Donc voilà, on va cesser là les amis, n'oubliez pas de chausser vos crampons comme d'habitude, de prendre soin de vous, c'est très important, restez comme vous êtes les potes, vous êtes géniaux, l'aventure YouTube c'est vraiment excellent. Et puis bah, nous les potes on va se retrouver donc dès demain pour un nouvel épisode de Gloroskill. J'ai aussi donc une vidéo spéciale pour les 4000 abonnés qui va arriver très prochainement, parce qu'on va être bientôt 4000 techniciens sur la chaîne. Donc un gros merci à vous pour votre soutien dans chaque vidéo, c'est vraiment génial. Et bah, continuez comme ça les potes, franchement moi ça m'encourage. Et puis regardez un petit peu l'épisode qu'on fait, c'est énorme quoi, c'est énorme. J'espère que vous avez kiffé en tout cas, hein. J'espère vraiment que vous avez kiffé. Et puis nous bah, on va se dire à demain pour une nouvelle vidéo de Gloroskill. Donc voilà, on va attaquer, donc on va réattaquer la Division 3. Enfin bref, on se dit à demain les potes, prenez soin de vous, c'est très important, n'oubliez pas de chausser vos crampons. Et puis nous, bah, on se dit à demain. Ciao ciao les amis.